tous, donc Florence Rouby, professeur de flûte aux enfants. Donc vous allez entendre en fait une interprétation très personnelle du joueur de flûte de Hamelin, très célèbre, qui n'est pas toujours très gai, il faut le dire, qui est même un petit peu inquiétant, mais alors par contre il est passionnant d'être en musique. Donc le travail a été suivant, j'ai choisi les morceaux d'ensemble, duo, trio, quatuor, existants, et j'ai essayé de faire l'exemple comme au texte que Agnès Le Cap va lire. Voilà, c'est le principe de la lecture. Tout ça avec donc les 14 ou 15 élèves de la classe de flûte. Bonne écoute, bonne soirée, bien fait. Le joueur de flûte. Thank you.
venu de mon secours, se profilaient à travers les portes de la ville. D'autres le suivaient. Et bientôt, les rats se comptèrent par centaines, par milliers. Au matin, les habitants de Hamelin constatèrent le désastre. Les rats étaient partout, dans les tiroirs, dans les armoires, dans les placards, et jusque dans les berceaux. Toute la ville en était infestée. Thank you.
pour être le plus clair possible. Les yeux clos, la truffe frémissante, ils étaient charmés par la musique. Ils semblaient leur promettre un paradis de fromage et de sucreries. Le joueur de flûte se mit en marche. Il parcourut toute la ville, entraînant à sa suite le flot des rats toujours grossissant. Il passa par toutes les rues, ruelles, impasses, en n'oubliant aucun passage. Sans cesser de jouer, le joueur de flûte prit ensuite le chemin de la rivière. Les rats le suivirent en un cortège sans fin et franchirent derrière lui les portes de la ville. Sur le rivage, le joueur de flûte marqua un arrêt. Les rats, quant à eux, se précipitèrent dans la rivière et s'y noyèrent jusqu'au dernier. Thank you.
joueur de flûte. Le mystérieux magicien n'avait pas oublié lui, et il s'en retourna auprès du maître pour recevoir sa récompense. Bon, 1000 pièces d'or pour un misérable air de flûte, s'exclama ce dernier. Je ne t'en donnerai 100 et pas une de plus. Ce n'est pas ce qui était convenu entre nous, s'exclama le joueur de flûte. Ne mentez pas à votre promesse. Tu n'en auras que 100, cela suffit bien. Et maintenant, va-t'en. Avant de se retirer, le joueur de flûte ajouta simplement : puisque c'est ainsi, je ne veux rien. Mais vous allez regretter ce mauvais tour. Thank you.
disparu. Les enfants s'arrêtèrent au pied d'une belle montagne. Au fond de la flûte, celle-ci s'entr'ouvrit. Et tous les enfants suivirent le joueur de flûte à l'intérieur. Enfin, après le passage du dernier enfant, la montagne se referma. Au pied de la montagne, on ne retrouva qu'un petit bouette qui pleurait la forme de l'âme. Le pauvre se lamentait de n'avoir pu marcher aussi vite que les autres, et ainsi de s'être vu refuser le paradis que renfermait la montagne. Des autres enfants, il n'y avait plus trace, et personne n'a jamais su ce qu'il était advenu. Mais on raconte depuis ce jour-là que lorsque le vent souffle derrière la montagne, on peut entendre des rires d'enfants heureux.